Eh bien, bonjour à tous, c'est Guillaume de Ferme du Dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des 1000 vaches. Je suis en compagnie de Marcel. Salut, salut. Et de celui qui se cache, mais on voit son prénom quand même. Eh merde. De Cédric, Bonjour. alias Ford. T'as faudrait que je rechange quand on fait des mille. Alias le. Comment dire? Le Fais gaffe à ce que virtuose tu du veux dire. volant. Le quoi? Le virtuose du volant. Hein? Par rapport à la vidéo dronerie. Bon, les amis, on a du boulot à faire. On a notre champ de colza qui a fini de pousser. Donc, on va tout de suite le faire. Hein? Parce que je pense qu'on va avoir pas mal de rendement en plus. Je vais aller chercher la machine, moi. Joe, tu prépares une benne? Donc, si. Cyril, non, Cyril il est pas là, Cyril il est en train de travailler. 1400 devant. Ouais, il y a le 1400, mais à mon avis tu peux le changer. Je pense, oui. Parce qu'il tire la gueule quand t'es dans les côtes. Et le lisier, c'est le lisier de quoi que je prends? Moi je le prenais aux Déjà? vaches. Non? Oh, Merde, tu peux le déjà. prendre aux. Attends. Faut déjà que je reconfigure mon volant parce que ça va pas bien sans embrayage. Ah bah ça. Ah, attends, ah bah c'est une boîte CVT donc j'en ai rien à secouer. Hop. Tac, on va poser la barre de coupe. Bon, vu que l'ensileuse est pas là, on C'est va vrai qu'il poser fume là. celui-là. Hein? C'est vrai qu'il fume celui-là. Hein, celui-là, ouais, il fume. Non, je te vois pas d'où je suis. Hop. Tac, donc ça va être une partie, je pense, assez calme. Donc là, vous voyez qu'on est à moins 150 000. Parce que j'ai fait une petite boulette, j'ai voulu rembourser un peu notre emprunt. Et ça marquait à rembourser 5 000. Je me dis, on était à 30-40 000 par là à peu près. Je me dis, bon, on va, voilà, on va rembourser, on va déjà commencer à rembourser 5 ou 10 000. J'ai cliqué dessus et ça a remboursé à peu près 200 000. Bah, s'il y avait 30 000, ça fait 180 000. Bah, il nous reste plus que 805 000 d'emprunt. Donc bon. Ça va nous coûter moins cher en emprunt tous les jours, mais là pour le coup, du coup, on se retrouve un peu dans le rouge. Mais bon, on a pas mal de Juste un cultures petit à peu. faire, hein? Juste un petit peu. Ouais, on a des cultures quand même à ramasser. Donc, toi, le colza, déjà, faut qu'on blinde notre stockage. Mmh, Faut. 100 000. Hein? 100 000, ouais. Comme ça, 100 000. Faut qu'on blinde le truc au. D'essence. Et puis le reste, on y vend. Parce que l'essence, si tu regardes bien, mis à part pour le compost, nous, au niveau des véhicules, on a encore ce qu'il faut, quoi. Il y a encore 5 000 litres là dans le stockage. Puis je sais pas combien il y a encore dans la benne. Il faudra regarder d'ailleurs, Joe, ce qui reste dans le Victalit Runner. Hein, Joe? Hein? Non, vu que t'as Litre Honneur, faudrait que tu regardes ce qui reste dans la citerne blanche là. Mais Ah, il grimpe. Faut poser le caisson. Grimpe autant que tu fumes, ça va aller vite. Hop. Donc voilà, on a du lait à vendre aussi, mais il y a un couillon qui a rempli la tonne de flotte et du coup, bah, on peut plus s'en servir Bah, le pour le couillon, lait. c'est moi. Ah bah voilà. On a Il trouvé y le a un autre couillon. couillon qui a pas mis le mode que j'avais dit de mettre pour vider la tonne d'eau. Ouais bah faudra que je le prenne du coup. Mais comme on l'achète la flotte, non? On l'achète pas? Non. On la paye Ah pas? Ah bah si on rivière, la paye non. pas. Hop, tac, on va poser ça par là. Les petits Indiens qui passent. Je vais plutôt me la poser par là. Hop. Tac. Ça va faire du bien de refaire un peu de la moisson. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait. Je vais me la poser là. La barre de coupe. Tac. Il doit y avoir classe. Il doit y avoir le TTV aussi. Si tu veux, fort. Et à mon avis, je te conseillerais plutôt le classe. Parce que... Parce que le classe est beaucoup plus puissant que le TTV. Et vu les côtes qu'il Ouais. a montées. Tu poses un 140 à un 260 chevaux quand même avec le TTV, hein. Ouais. Comme tu veux.
Mais je verrai pas. Oui, au pire, tu peux le rechanger par la suite. C'est ça. Il reste 13 900, non? Bah, mêlé dans le stockage essence, tu dois pouvoir en remettre 5 000. Hop. Allez, c'est parti. On déplie la machine. Et on la met en route. Ah. Et ben, il y a du rendement, ouais. Ah si, il y a du rendement quand même, ouais. Bon, j'ai fait... Allez. On va dire une phase de champ. Je suis déjà à 30%. Donc à mon avis... À mon avis, ça va vite remplir. Mais bon, notre champ est pas tout à fait... comment dire, traité à 30%. Ouais, il a une partie qui est traitée à 30%, à 100%. Enfin... Et un morceau qui n'est pas traité à 100%. Mais ça remplit vite, hein. Non, de non. Ah, je sais pas combien de litres on va faire sur le champ, mais... Pour moi qui peut te le dire. C'est con ça que... Toi, elle nous affiche les hectares, machin et tout. Qu'elle fait. Mais elle devrait afficher aussi le litrage qui a été produit sur le champ. Ça, tu peux te rendre compte à peu près des comment, de la production. Et je suis bientôt plein. J'arrive. Ah, je sais plus, c'est 14 000 je crois celle-là. C'est 14 000 je crois. Ah, 14 100. Tac. Ah tiens, j'ai aussi le bug de la tonne. Le bug de la tonne. Ah, la force, il est toujours moi. Hop. Hop. Pouf. Il est où? Il est là. Ouais, bah je l'ai aussi, ouais. La tonne, elle a planté. La tonne, elle a planté. Ouais, elle a planté. Oula, hop là. Hop, on va retourner à la... Donc t'as pu mettre 10 000, non, dans la... Ouais, c'est ça. Ouais, donc il doit rester dans les 4... Ah bah non, 15 000 t'as mis. Ouais, donc t'as remis 10 000. J'ai tout mis. T'as tout mis, mmh. Ouais, bah comme ça on est tranquille, on sait qu'elle est vide maintenant l'autre. Hop, alors. Pouf. Le jeu, hop là. Il est par là. Hey Joe, tu rouleras avec la masse levée? Ah non, elle est levée déjà. Non, j'ai rien dit, elle est déjà levée. Tac. Celui-là, il a le relevage avant qui est bas. Ouais, il est bas. Ouais. C'est une combien déjà, Litroneur? C'est une 45 000 litres, hein? Ouais, je crois, ouais. Ouais, bah de toute façon, il faut... Hop, Litroneur, il est où? Litroneur, il est là. 45 000 litres, ouais. Bah, de toute façon, on va déjà remplir nos silos. Oh.
On va remplir nos silos déjà, puis après on emmènera à la raffinerie. Comme ça on est full en carburant. Puis le reste on va y vendre. Ok. Mais à mon avis, là je t'ai mis combien, 14 000 litres? Ouais. Allez, à mon avis, ça va faire du 30 000 litres au détourage. Ouais, peut-être même un peu plus de 30 000 litres. Ouais, ça va faire quand même pas mal. Ça va faire quand même pas mal. Mais par contre, il va falloir qu'on arrive à remonter ce compte. Et ça, c'est pas gagné. Ouais. Ça, c'est vraiment pas gagné. Bah si, parce qu'on a ce champ de colza, on a le champ de blé. Champ de blé, c'est pareil, il faudra qu'on y mette à la farine. Et là, la machine à compost, elle est en fonctionnement, donc... Et puis là, la machine à compost est en fonctionnement, on va récupérer la paille pour mettre au compost. Puis je pense que le champ que Ford est en train de semer, est en train de fertiliser... Mmh. Ouais. Je pense qu'on le mettra en colza. Comme ça le colza on pourra le vendre. Comme ça le colza bah, on pourra le vendre et puis on sera tranquille parce que là avec la superficie qu'il y a là-bas... Là ce qui serait bien c'est qu'on ait une forte demande mais vu qu'on est en hard... Pourquoi j'ai un 255 tonnes, enfin TH? C'est quand même pas 255 tonnes heure. Ça peut-être. Bah je sais pas, c'est dans le... C'est dans le... Le gearbox. Je suis plein de jours. Ouais, donc si ça va faire. On va être à plus de 30 000 litres au tour. Parce que je vais pas terminer le tour, j'ai fait pratiquement les deux tiers du champ là. Ouais, c'est bizarre ça. Je sais pas ce que c'est. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire là dans le. Donc dans le gearbox, le 250 et quelques TH. C'est quand même pas des tonnes par heure. T'imagines 255 tonnes par heure? Sachant que la batteuse qui était la plus en 8 heures. Je sais même plus combien qu'elle a fait. En 44 ou je sais plus combien. Ouais. Mais en blé, pas en colza. Ouais, en blé en plus. En colza, c'est à moins. Faut que je regarde. Hop là. Ah non. Non, c'est bon, en 8 heures, j'en étais loin en fait. Ouais. 798 tonnes en 8 heures. 798 tonnes en 8 heures, ouais, ça fait du 100 tonnes, un peu moins de 100 tonnes par heure. Mais en blé, avec ouais, une coupe de 13 mètres. Ouais. Et la machine s'arrêtait jamais. Eh bah ouais. Ouais, mais là, tu vois, ça m'affiche. Dès que je ramasse du colza, elle m'affiche un rendement en fait. Putain, bah, je manœuvre mieux la tonne en IRL que sur le jeu. Hein, Dieu. La marche arrière, elle est infernale. Ouais, tu vois, si je prends pas la barre de coupe en entière, le truc qui descend. Mais c'est marqué combine devant alors. Je sais pas. Donc s'il y en a qui le savent, mettez-moi dans la description ce que ça veut dire. Si c'est réellement des tonnes par heure, ça m'étonnerait parce que 255 tonnes de colza par heure, ça serait juste énorme. Ça veut dire qu'on a une récolte
exceptionnel. Puis je pense que celui-là, on le déchaumera et on le ressèmera en orge ou en tournesol, tiens. On n'en a pas fait du tournesol encore jusqu'à maintenant. Hop, j'ai bien activé les micros, ouais. Oui, oh, ça va, hein. Ça peut arriver à tout le monde, hein, d'oublier d'activer les micros. T'as de la place, moi, j'ai le disque dur. Oui, c'est bon. Vas-y, avance, Joe, comme ça, je peux te vider en roulant. Je peux me vider en roulant. Parce que je peux te vider. On va regarder combien on a fait en un détourage. Puis on a encore le maïs aussi à finir d'ensiler, on a tout l'ensilage à vendre. Tac, ouais, j'en ai vu un tout petit peu à côté. T'as combien, Joe? 40 500. Ouais, pas loin d'une benne d'étourage. Hein. Pas loin d'une benne d'étourage. Donc à mon avis, ouais, on est peut-être bien parti pour en faire. On est peut-être bien parti pour en faire, allez, ouais, 300 000 litres, 400 000 litres. 400 000 litres, ça fait une dizaine de bennes. On va attendre d'être dans une ligne droite pour décharger. Hop. Là, normalement ça devrait être plein. Là, c'est qui écoute la télé là? Ah, c'est mon téléphone qui s'est mis en route, va savoir pourquoi. T'es plein? Ah, donc tu vas vidéo au stockage? Putain de téléphone, ça va être temps que je te change. T'es aussi détraqué que moi, je crois pas. C'est ça, force de le tremper dans la bière. Non, justement, je souffre trop dessus après avoir bu. Hein? Vu que je trouve. C'est pas un étude le test, hein. Y'a pas encore l'application pour ça. Je suis trop près de la gueule. Y'a pas encore l'application pour ça. Ça viendra peut-être, mais. M'aurait-on menti alors? Eh, je sais même pas s'il va pas falloir une deuxième benne. Ah, tu sais, pour le moment, si tu mets tout en stock. C'est juste à côté. Ouais, mais toi, Joe vient juste de partir. Et je suis déjà bientôt full. Par contre, c'est quand il va falloir aller de l'autre côté de la map pour aller vendre. Là, il faudra une deuxième benne. Minimum. Alors oui, du coup, c'est pas très très réaliste ce qu'on fait, puisque là, on est en train de récolter du colza, alors qu'on a du maïs qui est en train d'être ensilé. Mais bon, c'est les joies de farming. Et vu qu'on a enlevé le mode saison parce que c'était trop la galère, et que ça nous est buggé. Mode saison, ça va bien pour jouer en solo. En multi, c'est la merde.
Ouais, ça doit bien être un rendement, hein, parce que si je roule moins vite, je descends à 100... 100... Alors, beaucoup, 100 tonnes heure, je pense. Mais ouais, c'est ça qui manque dans le... Dans le Combinadon. C'est un rendement à l'hectare. Je crois que Joe il est parti se balader là. Non, je suis là, je suis derrière toi. Dans la moissonneuse? Non, je vois les traces par terre, je dis tiens, c'est bizarre. Hop là. J'aime bien cette petite moissonneuse là, donc c'est la S690i, un John Deere. Franchement, vraiment très sympathique. Très sympathique. Ouais, c'est un épisode beaucoup plus calme. Vraiment plus calme que d'habitude. Ouais. Ils dorment à moitié les autres. Bon, je suis pas bien aujourd'hui. Ah. Puis tu veux qu'on rencontre quoi, mon Je Dieu? pourrais, moi. Raconte ta journée, t'as fait quoi de beau? Rien, ça ne va. Ah bah, c'est vrai que c'est beau. C'est beau de ne rien faire. Pour une petite anecdote par rapport à tes vaches? Non, pas Non, pour une. même pas une. Ouais, c'est pas pris de coup de sabot aujourd'hui. Bah, de toute manière, je peux pas m'en prendre vu que c'est des fausses. Putain, j'ai fait bugger le 1400 en fait. Quel con. De quoi? Bah, il était resté accéléré, ce con là. Couillon. Quoi? Pas ma faute Yeah. si ça bug. Hop, on se tire un peu droit là. Ouais, c'est bien par rapport à un rendement, hein, le truc là. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je vais mener ma petite enquête. Hein. Oula. Hop là. Ah. Attendez un beau bruit là. Putain, il veut pas se taire ce con là. Peut Un même bruit pas de être canette discret qui quand se je veux canner. décapsule. Je suis à 10 ce Joe. Avant, ah bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça vite par terre. Ouais, on va vider à l'arrêt parce que pour synchroniser tous les deux. C'est pas évident. On n'a pas de transbordeur. Non. Non. Il y en a pas en dessous. De toute façon, on a point de sous. Oui, quand.
Non mais ça par la suite c'est vraiment ce qu'il va nous falloir, un transbordeur. Minimum 32 000. 32 000 pour un 21 000 litres. Bah 21 000 litres c'est bon parce que la moissonneuse elle fait 14 000 alors... Autant en prendre un 28 000. Ah bah faut un 28 000 ouais. Comme ça tu mets deux moissonneuses dedans. 28 000 ça fait 30 000. Ça fait deux trémies. On va prendre le 53 000, comme ça on sera tranquille. Bah c'est toujours pareil, c'est suivant les rendements. C'est un rendement de malade. Et qu'on ait deux moissonneuses, ouais, le 53 000 c'est pas déconnant. Mais là, avec une seule moissonneuse, enfin, pour l'instant, de toute façon, la question se pose pas. Pour l'instant, on n'a pas de quoi acheter de matériel. Ouais, c'est ça. On a même pas de quoi acheter une vache, on a même pas de quoi acheter quoi que ce soit. Hop. Ouais, ouais, moi je pense, ouais, on va peut-être bien faire les 300 ou 400 000, 400 000 litres. Parce qu'on fait à peu près 40 000 litres au, 40 000 litres au détourage. Ça va bien faire, ouais, une dizaine de bennes. Dommage qu'on ait pas, on l'ait pas. Putain, ça y est, je me mets à friser. Toi, t'as pris la petite 18 000 litres. J'ai trouvé que celle-là. Ouais, je sais même pas où elle est, l'autre. Moi, elles sont toutes au champ de maïs. Ouais, j'avais pas envie jusque là, moi. Je crois que ça monte par là-bas, Ford. Je suis pas sûr, mais je crois que ça monte. Il veut pas, tiens. Il veut pas monter? Non. Même à vide? Ah putain, les coups de freeze. Je pense que c'est pas 21h30. Toujours pas plein, Joe? Ah non, 92%. Bon, déjà, on va gagner une étape d'engrais avec le Chopestro là. Donc là, faudra juste qu'on passe un petit coup de déchaumeur. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de labourer le champ, je crois. Par la cuic. Non, c'est bon. Non, donc on a juste un coup de déchaumeur à donner. Un coup de déchaumeur, un coup de d'engrais par-dessus. Un coup d'engrais par-dessus, on sème. On refout un coup d'engrais et c'est bon. Bon, t'as fini de jouer aux petits indiens. Un vrai gamin, ce petit Cédric. Un vrai gamin. Là, t'es full. Thank you.
C'est pas celle-là de Ben aussi qu'il faut. Ah, quoique nous on avait dit qu'on la gardait celle-là pour. Pour éventuellement ouais, s'en servir pour débarrasser les grains, les trucs comme ça. Pour amener à la. À la mélangeuse. Non, pour faire la farine et tout ça là. Bah, plus les fertilisants peut-être. Plus les ah oui, plus les fertilisants. Je vais tirer un peu plus droit, Forme. Putain, j'ai toujours ces petits coups de frise et pourtant je lag pas là. C'est une combien? C'est une 18 000 litres celle-là? Je sais plus. Allez, sa tête frise. Parce que là, on a déjà 90 000 dans le stockage. Bah si, deux bennes de 45 000 litres. Ah bon bah oui. Moi la prochaine benne, j'irai la mettre directement à la raffinerie. Bah ouais. Et à mon avis, Ford, toi tu me vois même pas vider dans le... Ah, ça t'amuse hein, de faire fumer. Hein. Monsieur fait mumuse. Tu disais peut-être pas mumuse, toi, le premier coup, hein. Hein? Moi? C'est pas vrai, je suis innocent. C'est ça. Donc, les amis, par contre, pour ce qui est de la fumée, c'est des modifications personnelles qu'on a apportées dans les véhicules. C'est assez complexe à mettre en place, donc et c'est chaque véhicule qui doit être modifié. Donc ne nous demandez pas pour les avoir si c'est un mode ou quoi que ce soit. C'est des modifications personnelles. Mais il est toujours pas plein lui. Ah Dieu, pourtant je t'emmerde. Ah, il s'amuse à donner des petits coups d'accélérateur. Là, t'es plein. Tiens, bah pour le coup, Joe, tu vas prendre la moissonneuse? Putain, j'accélère même pas, elle continue à moissonner toute seule. Hop, si je me casse dedans. Ah non, elle s'arrête. Hop, tac. Non, c'est une 23 000, c'est point de 18 000. C'est une 23 000? J'ai l'impression que t'en chies. Non. Tu veux que je vienne te pousser? Oui, ça va pas la tête. Ah, ouais, t'as le drive control.
Du coup, j'ai pas besoin d'accélérer, le machin il monte tout seul. Ouais, ça repart. Non, tu vois, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour les pro... Enfin, dans l'avenir, c'est qu'on se rachète un caisson e-tronner. Comme ça, au pire, tu sais, tu poses le caisson avec le transbo. Comme ça, il y en a un qui fait les voyages avec les caissons. Je suis en plein G3, j'appuie même pas sur l'accélérateur, le tracteur il monte tout seul. Eh, vous êtes pas très bavard ce soir quand même. Oh, mais t'es chiant toi quand tu t'y mets. Ouais, il y a des jours comme ça. Veux bien du silence. Bon, sur une vidéo, c'est pas terrible. Bah t'as qu'à trouver des sujets de conversation, merde. Bah je t'ai demandé plein de choses, moi. Ouais, sauf que tu demandes des trucs où j'ai rien fait. Ah, faut que t'appuies sur l'air, Jo. Ah oui, c'est vrai que t'as pas bossé aujourd'hui. Ouais, tout merde, je bosse pas, c'est tout du faux. C'est tout du faux. Ah, par contre, il va falloir que tu rappuies sur l'air, Jo. J'y avais pas vu ça. De quoi? Rien. Le un jump. Non, j'ai failli rester perché dans le silo. Hein? J'ai failli rester coisé. Hein? Et t'as des petites des petits rebords en béton. Ah oui. Ah, il y a un tracteur qui s'est mis à sauter dessus. Ah, c'est cabré. Est-ce que j'ai pas une vitesse, moi? Ah bah, il dépasse les 100 000 litres, le stock. Il dépasse les 100 000 litres? Ah non, ça doit être écrit à un endroit, ça. Vas-y, appuie sur R, Joe. De l'astro, c'est un 500 000. Ouais, bah de toute façon, déjà on a combien? 113. Moi, celle que je vais faire, bah au pire, ce qu'on va faire, moi je vends les grosses maintenant, et puis on va garder les petites pour mettre dedans. Par contre, faut que je regarde où c'est qu'on va vendre. Allez, vite, Joe, vite! Vers le champ d'ensilage. Vers le champ d'ensilage? 750 euros tonnes. Ouais, c'est 750 euros tonnes, d'accord. Bah, ce serait bien, c'est qu'au moins on remonte à. Je sais pas combien il peut y avoir de tonnes, moi, là-dedans. Avec 45 000. Bah, c'est les 750 euros les 1000 litres. Ah, 750 euros les 1000 litres. Donc, ça fait 750 ou 45. C'est... 33 750 par ben. Ouais.
Sachant qu'il y aura une baisse de je sais plus combien tous les temps de temps. Bon, on va bien. Mais déjà, si on pouvait remonter au moins à moins 100 000. Il y a pas mal de John Deere avec le e-tronner derrière. Il galère pas trop, je trouve. Attends d'avoir une benne pleine et puis d'être en montée, tu vois. Bah tiens, j'ai collé. J'ai collé, non c'est bon. Hop. Et c'est quand même plus calme quand il n'y a pas Cyril. Hein. J'ai pas ma couille gauche. Je me sens tout nu. Je me sens tout nu. Profitera, on va s'arrêter là, Joe, pour vider. Tranquillou. Bon, bah encore 6 000 litres. À peine. Ah, c'est un peu plus de 6 000 litres. Y'a pas un si gros rendement que ça, je trouve. Enfin, tu me diras. On a déjà fait 40. Ouais, on a déjà fait. Ouais, si, quand même. Et du colza. Oui, bah oui, mais ça fait rien. On passe à du maïs, on va voir le rendement. Bah, le maïs, on en a un champ à faire après. Puis on a tout un champ de blé aussi à faire. Il y a la coupe au moins pour le maïs. Oui, on a la coupe, oui. Ouais, si, si, on a la coupe à maïs. Je suis full. Alors tu m'as dit c'est vers le champ de maïs. Trade AG. Ah ouais, c'est vers le. Ouais, je vois où c'est. Tac. Bon bah. On va essayer d'y aller. Traverser la ferme. Hop, un petit peu de vue intérieure pour admirer ce magnifique intérieur de John Deere. Donc c'est un 8530, c'est ça hein? Ouais, je crois. C'est le. Ouais, 8530. C'est la première fois que. Enfin, la première fois, non, pour la première fois. Mais c'est vrai que d'habitude, c'est Joe qui est dedans, donc. Alors, où est-ce qu'il a planqué les New Look?
Et les bières, elles sont passées où? Ford a dû passer par là déjà. Peace. Tu crois que je l'avais piqué où, celle qui s'est ouverte tout à l'heure? Petit coquinou, va. Hey, hop. Et là, on va en chier, les gars. On va en chier. On va essayer de prendre un maximum d'élan. Mais là... C'est là où tu vois que c'est quand même abusé, quoi. Alors je sais pas si c'est les tracteurs qui reviennent dans le caleçon, ou si c'est les pentes qui sont énormes. Ouais, les pentes, elles sont... sont costauds. Ouais, mais attends, il fait combien le 85-30 là? 350 chevaux, je crois. Normalement, oui. 350 chevaux, même avec une benne de 45 000 litres au cul. Je veux dire, en montée, il devrait monter à plus de 14, plus de 14 km/h quand même. Non? Il en chie quand même, le pépère. Hein. Bon, tu me diras, avec l'e-trunner, parce que l'e-trunner, le châssis, il est lourd. Mmh. Allez, on va dire, il a 50 tonnes au cul. Bah, heureusement qu'il fume pas, celui-là. Parce que là, je vais te dire que... Ça serait micro-micro-climat. Vivement la descente que je puisse débrayer. T'attends que ça en fait. C'est ça. Il va aller tout droit et... Mais merde. Mais non, mais non. Enfin, une chose est sûre, c'est que heureusement qu'on peut pas renverser ce qu'il y a dans les veines. D'ailleurs, j'espère que ça, dans le, 20, dans le 19, ils y corrigeront, enfin, ils y corrigeront entre guillemets. Que et si la benne, elle se benne, et que si justement la benne, elle benne... Que ce soit par terre. Que ce soit par terre. On nous, on va être dans la merde. Va... Je crois qu'on va prendre que des tracteurs avec fourche. Tu vas être dans la merde. Pourquoi? Bah, j'en verse pas tant que ça, moi. Moi non plus. Ah, de la descente. On va pas les, leur donner l'idée de faire des trucs à la car mécanique. Ah ouais, si, changer les pièces dans les véhicules, ouais, si, ce serait bien ça. Non. Si, si, faire de la mécanique dans les tracteurs. Le tracteur il sera H24 dans l'atelier. Comme dans Gold Rush. Qui c'est qui devrait s'y taper? Ce serait Bibi. Bah, déjà, il y a des embrayages. Hop là. Ah, ça c'est pas mal ça. Le frein, je vais l'enlever, ça sert à rien, c'est ça. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? J'étais dans la descente. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvé dans une montée. Mais ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé dans la descente, enfin dans la montée où je descendais. What? T'as fait un 180 quoi. Ouais, c'est ça. Boulet. Hop, demi-tour. Ah oh putain, non, pas demi-tour là. Pas demi-tour là, il y a de la gouille. Il y a la gouille par là. Pas aller rouler dans la gouille maintenant. Aïe aïe aïe. Alors tu me diras, j'avais la barre de la remorquage, mais... Hein. Enfin, de la masse de remorquage. Hop. C'est reparti. Bon, du coup, je peux plus débrayer là maintenant.
Je peux pas regarder à quelle vitesse je suis allé. Et toujours les petits freezes, toujours ces petits freezes, toujours ces petits freezes. Ça m'énerve. Et c'est vraiment, c'est souvent quand je viens dans cette zone-là que je freeze. Hein. Je trouve que c'est peut-être la map qui fait ça. Peut-être. C'est toujours à peu près au même endroit où j'ai les freezes. Ah bah là, pour le coup, c'est... Hop, c'était par là. Je fais le marché à la Ford, hein, bien sûr. Pas le à talent. Fond de balle. T'as pas le talent. À fond de balle. Alors, voyons voir combien ça va nous rapporter une benne. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de forte demande. Ah, ça aurait été trop beau. Et là, t'as, je vide ma benne, et 30 secondes après, forte demande de colza. Ah, enculé. Non, tu vois, je miserais plus sur une chute des prix à valeur de 30%. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il faut envoyer le train pour avoir le fric. Oh putain. Ouais, donc en gros, tu peux emmener bien beaucoup de benne et l'envoyer une fois. Bah, une fois que c'est vide, quoi. Enfin, une fois que. Une fois que t'as fini. Bah, là, je vais envoyer le train pour voir. Hein. Parce que nos amis du YouTube veulent le savoir. Alors, R, non, faire partir le train. Ah, tu vois, pourquoi t'as reculé ? Il en a foutu plein par terre. On va le train. Chou-chou. Alors, voyons voir combien on va récupérer. Si on récupère quelque chose. Et là, on s'est fait couillonner. Ah bah là, je tape un scandale. Hein. Là, je ramène une tonne de... Enfin, une bête de fumier, là. Et je le pose devant le bordel, là. C'est fait troll, hein. Ouais, je crois. Ah non, c'est bon. Ah oui, c'est bon. 116 000. Enfin, moins 116 000. Donc on a vendu pour... Ah bah non, pas 59 000, ça c'était le... C'était 155. 155, 155, ouais, pas loin de 40 000, 39 000. Donc ça vaut le coup encore. Bon, ça serait mieux si c'était 1000 euros les 1000 litres, mais... Mais là, grosso modo, ouais, en 4 bennes. En 4 bennes, on a rentabilisé notre truc. Et vu qu'on va faire du maïs grain, vu qu'on a encore le blé. Donc on a encore de quoi faire, les amis. Hop. Bon, de toute façon, moi, sur ce, les amis, petit épisode tranquillou, pépère, posé en mode moisson, tranquillou. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Hein, c'est ça? Et puis n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à commenter, liker, partager, tout ça. Ça nous ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. Le petit bouton pour ça. Putain, j'ai cru que le train, il allait me shooter mon tracteur. Putain, j'ai vu passer à ras le tracteur. Ça, c'est bon à savoir. Faut pas se garer sur les rails quand on a envoyé le train. Parce qu'il revient après derrière. Mais quel boulet. Non, mais il est passé à ras le tracteur. J'ai pas dit qu'il allait taper le tracteur. Allez, sur ce, les amis, on vous dit à très très bientôt. C'était les fermés du dimanche. Donc, Guillaume, Joe et Cyril. Et Cédric.
dit Ford. On vous dit à crécré bientôt. Mais tais-toi, c'est à moi d'abord de faire salut salut. Au revoir. Mais oh. Donc je vous dis. Au revoir. Fumier de lapin. Ouais. Fumier de lapin. Salut salut. Tu pourrais faire mieux ça. Salut salut. Ouais. Fumier de lapin. Enfoiré.